Il est tôt sur le campus de la Salty Academy, même si en fait on n'est pas vraiment au campus de la Salty Academy. Si vous regardez bien derrière moi, eh bien on est en ville. Et si vous regardez très attentivement derrière moi, eh bien on n'est pas vraiment en ville puisque les maisons entre lesquelles je suis en train d'évoluer, eh bien ce sont toutes de fausses maisons. On voit bien ici. On est dans le Ville Bizarre. Ville Bizarre, qu'est-ce que c'est? En gros, Ville Bizarre, eh bien, c'est le centre d'entraînement qui est rattaché aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, donc dans lequel, entre autres, les élèves passent leur classe et qui passent par les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, comme ça a pu être le cas pour moi par le passé, eh bien, viennent s'entraîner ici pour eh bien, apprendre à négocier un environnement urbain, tout simplement. Et aujourd'hui, on n'y est pas dans le cadre de la formation que j'y ai eue. J'y suis pas vraiment pour vous le présenter. J'y suis tout simplement parce que, eh bien, on a la chance d'avoir une association Airsoft qui s'appelle Cyr Airsoft qui permet aux gens, tout simplement, eh bien, de participer et de venir ici et donc de faire des parties Airsoft, tout simplement. Ils nous ont prévu pas mal de trucs. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'ils nous ont prévu. Alors, on verra ça tout à l'heure. Allez, à toutes. Vu. C'est bon. Est-ce que je peux courir en face, tu penses? Bah attends, alors, 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. En débutant à la lisière du bois qui jouxte le village, nous essayons de nous rapprocher d'une maison dans laquelle plusieurs packs auraient été aperçus. Regarde, vous êtes visé par un sniper. Ok. Va falloir déloger sniper. Out, out le snipe. Le snipe est dead. Avançons en collant là, le long. Ouais. Pour protéger le toit et on avance. Et là-bas les mecs sont out, non? Ouais, ils sont out là-bas. Ok. Il y en a 3 out, il y en a 2 vivants encore. 2 vivants. T'es sûr? Ouais. Attends, il y en a 2 vivants apparemment sur le toit là-bas. Hein. Voilà. Ça, c'est à nous, ça. Sur le toit, les gars. Go, go, go. Tu couvres en haut à gauche, fais gaffe. Allez. Out. Ok, on est deux au niveau de la gendarmerie. On vient de respawn, on vient de voir un pack ennemi passer avec le baril, du coup, direction la lisière du bois. Il va falloir qu'on se bouge le cul un petit peu pour essayer d'aller visiter les maisons qui n'ont pas été visitées pour trouver les deux dernières balises qui nous manquent. Terminé. Ils ont posé les balises sur la bombe. Ouais. Ok, je vais essayer de coiffer l'objectif. Je vais coiffer dans la je vais faire un bond dans la prochaine maison. D'accord. Après avoir pris le contrôle de 50% du village, on nous indique qu'un colis nécessite de recevoir nos balises. Malheureusement, celui-ci est totalement dans l'open field. Ça risque de nous occuper un sacré moment. Je tente de trouver un meilleur angle sur une partie du groupe qui veulent tenter de s'approcher du paquet frontalement. Échec mission, ça passera pas. Dans le prolongement du village, une milice est bien en place avec vue sur l'objectif. À ma droite, le Mazdak. Il faut continuer la progression. T'es out ou pas? Ouais. Ça va, pousse ton poulet? Séparé de mon groupe, je me retrouve seul. Ça rend les choses moins certaines, mais plus dynamiques. Je le sens. Le front de la milice n'est pas loin. Ah.
m'annonce à la radio que des collègues essuient des tirs à l'intérieur de la ville. Je vais essayer de contourner. Nez à nez avec un équipier. Apparemment, deux ou trois tireurs embusqués seraient toujours présents. Un en moins. Il est haut en haut ! J'aperçois quelque chose, mais pas sûr de moi. Quelque chose a bougé là-bas. Out ! Foutu sniper. Bien wesh ! Faut que je reprenne le bâtiment. C'est ça l'objectif avant d'y aller, excuse-moi. Ouais, c'est vrai, c'est l'objectif à 11h, là, avec le toit, là. Et il y en a un là-haut ? Bah non, mais c'est là qu'il faut aller. Ouais. Si on a ça comme ouais, tout à l'heure, on est royal. Je vais essayer. Écoute, celui-ci, il est clair, là. Oh, celui-là est clair. Celui d'après, je sais pas. Je prends en compte ce qu'il peut y avoir derrière le bâtiment. Eh ben, venez, on fait des bons. Let's go. On part en petit groupe pour essayer de faire des bons de maison en maison. Le but étant de coiffer l'objectif et d'aller déloger la milice à l'opposé du village. Il va falloir être rapide et efficace. En face, en face. Je vais essayer de taper contre la maison. On rentre ? Tu peux rentrer ou pas ? 3, 2, 1, go. Tous les joueurs présents sont super pros. Clear ! Forcément, la faction ennemie a parfaitement compris notre manœuvre. Ok, là on est bon. Faut encore prendre le prochain. Ça passe à la maison, t'as vu Greg ? Ok, ça passe. Quatre packs en face de moi, les gars. Droit devant, un mec. Je suis inutile sur ce toit. Si on bouge pas, personne va le faire. Dans le Mazda. L'ennemi a compris qu'on avançait et tente de reprendre la ville qui surplombe le village. L'un d'eux est proche. Ouais, bon. T'inquiète poulet. J'ai tiré à côté, je pense. Je te tire là-dessus ? Non. Ok, je te mets out. Okay. Je me mets out. Soigné, requinqué, mais toujours aussi difficile de passer ce point stratégique. Attends, il me tire dessus. Non, faites gaffe. Il a vraiment la ligne sur moi, là. Prolongement de la maison, deuxième maison, au coin de la maison en face. Ouais, ça allait bing, c'est lui qui tire dans la gouttière, là. Si vous voulez vous mettre en haut, vous allez pas avoir le... Parce que tu vas devoir te décaler comme une merde, en fait, à cause de la grille. Essaie de le choper, quand même, ouais. Mais il m'empêche de sortir, hein. Il y en a un autre aussi à 11h, de là où je viens de vous dire. Tu veux progresser ? Un sorti. Tu veux bouger, je te couvre. Deux ! Un sorti sur les deux en bas, il y en a un qui est au contact de la maison ! Contact à gauche. Ouais, tu couvres en face. Je vais essayer. Il y en a un dans la petite maison à 11h, tu le vois sortir sa tête, hein. Ouais. J'ai tellement envie d'aller taper au contact de leur maison, quoi. On y va ? Faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, de l'autre côté, personne ne pourra approcher le paquet. À gauche, il y en a. Il va décaler en face, prends la ligne.
en face. Si seulement j'arrivais à rejoindre cette maison en face, c'est gagné. C'est une... Non, pas la... passe-toi la porte. Tu... En face. Lui, il décale pas, hein. Ah, il l'a eu, hein. Il a dit out ? Non, non, mais il a levé les mains. Ok. Allez. Il y a peut-être un truc à tenter. Attention, pardon. Bingo. On m'annonce à la radio que la balise a été posée. Avec ce contrôle de leur spawn, il ne reste plus qu'à se défaire du dernier noyau qu'il faut localiser dans le village. Je crois avoir repéré quelque chose. Si seulement j'arrivais à les jouer par la droite, ce serait parfait. On y est presque. Terminé. Mission accomplie. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fin de partie, fin de journée, rideau sur cette journée bien fatigante. Et donc, bah, c'était vraiment très très cool, vraiment super sympa, bonne ambiance, bien faire de beaux joueurs, de belles équipes, et puis un scénario bien en place. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Merci infiniment, en tout cas, une fois de plus, à vous de suivre ce genre de vidéo, parce que c'est un contenu qui change un petit peu sur le campus de la Salty Academy, on va pas se mentir, un peu différent. Celui de l'Airsoft, il plaît ou il plaît pas, et forcément, on a besoin de votre soutien, puisque, vous savez, les vidéos qui sont sur l'Airsoft sont un petit peu moins bien vues, moins likées. Et donc, je compte sur vous si vous appréciez ce genre de vidéos, eh bien pour liker, plus commenter, plus partager, hein, autour de vous. Ça nous aiderait énormément. Merci infiniment, à la prochaine.